Thank you.
C'est un conventionnel qui est radio classique. Et pour les patients qui n'arrivent pas à se déplacer, c'est le couloir qui est capable de relier. On peut faire un cliché, tirer un cliché potage. On va voir le cliché radiologique au niveau de la centrale pour l'interprétation. L'interprétation est incluse automatique. Les primordiales, parce qu'il y a des appréciations différentes selon l'incidence, selon l'angle dont on va juger. C'est de l'exclamation qui fait l'interprétation elle-même, sans un apport externe de l'exclamation. Avant, il peut corriger ou l'ajouter. Généralement, on a des méthodes automatiques, donc ça sort comme la machine. Ça dépend des conclusions. Je parle maintenant, c'est-à-dire radiologie, c'est pour les conclusions. Les conclusions, c'est la machine ou l'un travail de spécialiste. C'est la radiologie, généralement. C'est toujours, ça dépend toujours du radiologue. Le radiologue. Il y a toujours un apport du radiologue. C'est primordial. Mais on a quand même un système informatisé qui Qu'on avait fait un délai de 4 cycles de l'installation. Mais malheureusement, la mentalité aussi, notre mentalité dans laquelle peut-être qu'on arrive à la changer par beaucoup d'éducation sanitaire pour sensibiliser les gens à venir consulter avec les premiers symptômes. Donc, à partir de chaque patient qui vient, il n'entend pas. Donc, l'IRM, le médecin d'urgence a vu la patiente, par exemple, à 14h du matin, à 2h15, elle a déjà fait l'IRM. On a fait le diagnostic. On a vraiment une équipe qui travaille jour et nuit. Sur la permanence d'une façon. Elle a des accidents ischémiques. Mais avant, pendant qu'elle vient, il dit jusqu'à 16 heures, c'est-à-dire, Inch'Allah, dans l'avenir, on espère répondre à le besoin. Le Maroc, d'ailleurs, c'est un flambard de pierre, pas de chouïa. Mais alors, les examens, dans un temps record, on est plus en marche. C'est-à-dire, l'exécution est rapide, là, le malade, il reste partout. Et la famille et le médecin aussi. Le médecin, bien sûr. L'ambulance, qu'est-ce qu'on mène là? Ou la sortie, qu'est-ce qu'on mène là? Il y a exprès pour l'oxygène, au cas où la salle.
هذه لا سال دو شوكاج سي ديال لي كان دي كيجيو غراف كنبداو كنحطوهم هنايا وكنبريباريوهم هنايا افون لا بريباراسيون ديال الميدسان دونك هنايا مجهزه من جميع الماتيريال سيغ سكوب اي حاجه غادي يحتاجها لو باسيون افون لوسبيتاليزاسيون ديالو دونك هنايا تقريبا كاينين 3 لي بالنسبه لو سي جي اي حاجه غادي يحتاجها كاينه هنايا كاين شابيو بوغ لي سيرجونس مجهز من جميع الماتيريال اللي غادي يقدر يحتاجها الميدسان ولي كيف لي كيكون لي سيرجونس سوا الليل سوا ديال النهار ومليت سريج من الكحل Gracias.
choisie pour les femmes et par des femmes. La plus belle. Pour des femmes et par des femmes. Je pense qu'on a trois salles individuelles. Chaque salle n'a plus moins trop qu'une femme. On a une salle pour réception pour les bébés. Ça, c'est pas le monde que la société. Il y a des statistiques qui disent que 60% d'accouchements normaux et 2% interdits. Les césariennes sont seulement 30%. C'est pas dire que les statistiques roumaines. La sœur, il faut faire une césarienne. Il ne faut pas tenter un accouchement par voie vaginale, il ne faut pas savoir. Quand on a un bébé qui est en siège, qui n'est pas très présenté, il faut faire une césarienne. Ça, c'est des indications. C'est quand on a un bébé du cycle.